Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour WWE Friday Night SmackDown. On est tout de suite en compagnie de la Wyatt Family. Ce soir est une soirée pas vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire, je vous l'avoue, elle est pas vraiment exceptionnelle. On a juste deux. On aura donc deux matchs de qualification qui vont désigner les deux nouveaux challengers pour le titre poids lourd qui sera défendu dans la Elimination Chamber. Match à Elimination Chamber. Titre détenu par Edge, je rappelle. Et donc dans notre main event, Luke Harper qui accompagne la Bray Wyatt sera opposé donc à Roman Reigns. Les deux challengers qui affronteront donc Christian lors de Elimination Chamber pour le titre intercontinental. Mais pour l'instant, laissons la Wyatt Family arriver tranquillement dans le ring. Si Bray est présent ce soir, enfin présent. Oui, présent ce soir, c'est pour une bonne raison. Suite à l'attaque qu'il a fait sur Dolph Ziggler la semaine dernière, il va se passer sûrement un petit speech de Bray Wyatt comme on a l'habitude. Donc voici ce qui s'est passé donc dans Elimination Chamber. Enfin, à Elimination Chamber, on aura donc un dernier match. Ah oui, un dernier match, oui. Le dernier match entre Dolph Ziggler et Bray Wyatt. C'est leur dernière rencontre, si on veut la belle, puisque au Royal Rumble, Bray Wyatt a gagné. À Revenge. Dolph Ziggler a remporté, donc là, ça sera le dernier match de ces derniers matchs. Mais voici donc notre premier match de qualification que portera donc Banius Barrett à Slater. Donc Banius Barrett qui est en train d'attaquer Slater sur le ring alors que Slater était sorti. Oh, il l'a pas tout seul. Et petit étirement du bras de la jambe en même temps pour casser Slater. Slater. Oh, il s'est mangé le. Oh. Et le surpassement! Il s'est mangé la table. Faut le dire, il s'est mangé la table. Oh là là, il s'est pris. Oh, il s'est pris le coin. Niveau de l'épaule, si je ne me suis pas trompé. Ouh! Le combat contre l'histoire du ring. Slater qui prend plutôt cher pour l'instant. Il va être envoyé dans le ring par Banius Barrett. Banius Barrett, ancien champion intercontinental. Ancien, c'est notre premier champion intercontinental du mode d'univers qu'on a pu avoir. Et tonight, it's the night. Ce soir, Banius Barrett a peut-être une chance d'aller dans l'Elimination Chamber pour aussi pouvoir et peut-être avoir une chance de remporter ce titre majeur de cette de Friday Night SmackDown. On m'a demandé de mettre des cordes bleues sur l'arène de SmackDown et des cordes rouges sur l'arène de Raw. Ce qui sûrement va arriver très très prochainement. C'est juste que là, quand j'ai record, j'ai oublié de le faire. Je risque de le faire. Je risque pour rester dans la logique des deux brands. Pour, ouais, je vais rester dans cette logique. Pour être bien, après on verra par la suite si j'ai si c'est moche, je le mettrai pas. Voilà, attention, encore cet étirement sur Heath Slater. Il doit pas mal souffrir là pour l'instant dans ce début de match où le coup de pied dans les côtes. Attention, il a envoyé Slater dans le coin. Ou Slater qui a raconté. Peut-être le retour. Non, il s'est pris une droite dans les côtes, ça l'a calmé. Hop, oh, Slater. Banius Barrett. Regardez le retour. Partir pour le Neckbreaker. Le Springbok Neckbreaker. Magnifique. Mouvement de part de Banius Barrett. Une nouvelle prise qu'on n'avait pas l'habitude de voir de la part de BNB. Le percut. Et attention, c'est Slater qui passe par-dessus la troisième corde.
BNB qui est supérieur dans ce match. Et c'est toi qui a peut-être, ouais, peut-être une chance de gagner, de battre Banis Barrett et aller chercher le titre polo, hein, qui sait. Et ouh, West Side Slam, le tombé. Et un, il se donne la corde. Deux et trois. Banis Barrett a dit, j'ai gagné, t'as vu. On n'a rien vu. L'arbitre qui n'a pas vu que East Letter tenait la corde. Normalement, Banis Barrett n'aurait jamais dû gagner comme ça. Mais l'arbitre n'a pas vu que East Letter tenait la corde. Et ben tant pis pour East Letter. La prochaine fois, on va dire qu'il fera plus attention à ça. C'est dommage pour lui. C'est vraiment dommage pour lui. C'est dommage, mais c'est le jeu, mon gars. C'est comme ça. Ah, on me dit qu'on va avoir une interview tout de suite de Shawn Michaels suite au propos que Kevin Owens a dit la semaine dernière. Des propos assez directs de la part de Shawn Michaels, mais bon, c'est officiel, un nouveau match a été confirmé pour WWE Elimination Chamber, Kevin Owens contre Shawn Michaels. Alors que là, passons à notre nouveau match de Diva. Un match de Diva opposera donc Naomi à Alicia Fox. Donc pour dire que celle qui va gagner affrontera lors du prochain SmackDown, affrontera celle qui gagnera le match lors... si je me trompe pas, voilà, lors de Raw, nous allons avoir un match revanche entre Tamina et Brie Bella. Si lors de Raw, Brie Bella bat Tamina, celle, l'une, la diva qui remportera donc ce match présent tout de suite, sera la prochaine challenger pour Titi Diva lors de Nation Chamber. Si Tamina bat Brie Bella, lors du prochain SmackDown, on aura donc la vainqueuse de ce match contre Tamina, si elle remporte ce match, pour désigner la nouvelle challengeuse au titre des Divas lors de Elimination Chamber. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait, hein. J'ai pas à dire plusieurs fois, vous m'avez compris, c'est nickel. Voilà, désolé, j'étais un peu préoccupé par autre chose, tu vois. Donc, 2 minutes, je finis un petit truc. Et on commente le match tout de suite. Voilà, nos retours. Naomi qui a envoyé Alicia Fox grâce à un Russian Neck Sweep qu'on vient de voir très brièvement. Le ciseau de tête, à part de Alicia Fox. Naomi qui a envoyé Door Breaker, magnifiquement bien porté pour priser la mâchoire de Alicia Fox. Retourne. Et le reverse DDT. Magnifique. Magnifique. Tourne un peu Alicia Fox. 1, 2 et bim. 3 coups de pied dans la gueule. Ça fait bobo là où ça passe. Et genou. Très bien porté. Il relève. Joe Breaker. C'est encore très bien joué. Hop, position. Boum. Magnifique prise. Je me rappelle pas du nom, mais très très belle prise. Une Naomi qui contre avec une fin avec un Joe Breaker. Et Backbreaker. On rappelle que Naomi a été la première challengeuse dans ce mode d'univers que vous voyez. Attention, tomber deux. Et non, ça prend deux. A été la première challengeuse au titre des Divas face à Brie Bella au Royal Rumble. Qu'elle n'a pas gagné, elle a gagné tous les affrontements qu'elle avait eu lors des Raw, mais n'a pas battu la championne lors du pay-per-view où il fallait gagner le match. Ce qu'a bien fait par contre Brie Bella, et qui a donc conservé son titre. Titre conservé déjà depuis 2 mois et peut-être 3 mois lors de Elimination Chamber, on verra ça. Attention Alicia Fox. Oh, powerbomb. Oh là 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 là, quelle prise. Quelle prise magnifique de la part de Alicia Fox. Elle traîne Naomi au sol, le tombé, et 1, et 2, et non, le dégagement, réflexe de Naomi pour se sortir, pour continuer ce match, pour espérer, pourquoi pas, si Brie Bella gagne le match lors d'Euro, pour un peu s'assurer une place de challengeuse directe,
Là-bas, je voulais faire Natalia, mais suite aux performances qu'elle a fait dans les derniers SmackDown et les matchs qu'elle a perdu, malheureusement, elle ne fera pas partie de ce carré d'or pour désigner la prochaine challengeuse. Tant pis pour elle, hein, c'est suite à ses performances. Attention, Lucha next sweep, à nouveau. Magnifique prise portée par Alicia Fox qui est en train de traîner Naomi au sol comme une vieille merde. Le tomber. Et un. Et non, simplement. Simplement. Rien du tout. Rien du tout. Prends la tête. Ou le coup de genou. Ou le coup de genou. Qui doit faire bobo. Elle l'a envoyé dans le coin. Attention. Naomi. Hop, hop. Springbok. Moonsault. Magnifique. Le tomber. Et un. Et deux. Et non. Le dégagement. Le dégagement d'Alicia Fox. Naomi qui sait plus trop quoi faire pour continuer ce match, pour essayer de chercher cette victoire. Naomi qui place Alicia Fox contre la corde. Elle l'emmène sur le tablier. Oh oh. Alicia. Non, 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 Naomi, non, non, pas, pas là, non. Et le DDT, la plonge DDT sur le tablier. Oh my fucking god. C'est un match de diva là ou quoi? Ou c'est un match de taré? Vous avez vu ce qu'il lui a fait subir? Qu'elle a fait subir à la tête d'Alicia Fox? Encore un jawbreaker, elle continue à viser cette tête qui commence à être meurtrie de Alicia Fox. Attention. Oh là là, on veut dans le... Non, oh non, 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 non. Pas oh. Projeté contre la barrière d'insécurité. Juste à côté du coin. Du coin de la barrière. Oh là là. Attention, Alicia Fox, l'enfourchement. Oh là 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 là. Heureusement. Attention. Et. Ouh, magnifique la drop. Magnifique la drop. Leg drop à la part d'Alicia Fox, va tomber. Et un. Et deux. Et deux dégagements. Encore un dégagement de la part de Naomi. Encore un. Encore un dégagement. Putain, mais quand ce match va-t-il s'arrêter? Oh, plus de tête. Magnifique. Va tomber. Va tomber. Et un. Et deux. Et non, le dégagement. Ouh, ce match commence à être beau. Ouh, ce match risque d'être peut-être aussi de concourir dans de l'un des meilleurs matchs de Diva de l'année. Si on est même, ça fait à peine 2 mois que dans le mode hiver, je parle évidemment. Pas dans IRL, parce qu'en IRL ça fait 4 mois au moins, voire plus, que le mode hiver a commencé. Oh là là là. Là, elle l'a étranglé, elle l'a étranglé. Elle la retourne. Elle la traîne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et les drops. Leg drop de la part de Naomi, magnifiquement bien porté. Elle relève Alicia Fox. Elle la ramène au sol, d'accord. Ah, petit affaiblissement. Regardez-moi la pression qu'elle fait au niveau, du niveau des épaules de Alicia Fox. Elle est en train carrément. Elle va lui arracher les bras. Ouh, elle va lui, oh là là, elle va lui arracher les bras. Faut qu'elle s'en sorte, Alicia Fox. Parce que là, Naomi a le dessus. Ouh, le coup de coude. Le coup de coude dans les côtes. Elle la retourne. Oh là là. Oh oh. Oh oh. Boum. DDT. DDT leg drop. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Bon, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça que je l'appelle. Le tomber. Et un. Et deux. Et non. Le dégagement. Le dégagement réflexe de Naomi. Oh là là. Oh, le match. Franchement, que ce soit l'une ou l'autre qui remporte ce match, ça sera de toute façon un énorme match. Oh, le tombé avec triche, le tombé avec triche. Et un. Et deux. Et non, le dégagement. Et ça, elle ne sait plus quoi faire pour aller remporter ce match. Mon Dieu. On a peut-être l'un des plus beaux matchs de Diva qu'on a jamais vu. Franchement, qu'on ait jamais vu. Le match entre Nikki et Brie était juste exceptionnel lors du David Revenge. Et là, ce match a l'air d'être aussi exceptionnel. Naomi. Oh, la droite. La droite de Alicia Fox pour contrer. Oh, Lucha Lex sweep de Naomi. Le tombé. Et un. Et deux. Oh non, le dégagement. Encore un dégagement. Oh là là, le match. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire pour remporter ce match? Oh là là, le coup de pied au niveau de la tête. Pour la repousser. T'as envie de parler là? Et il dit peut-être stay down. Ouf, coup d'avant-bras. Elle a envoyé à nouveau dans le coin. Dans le coin gauche. Oh, Aïssa Fox a réussi à contrer. Aïssa Fox. Peut-être pour un powerbomb. Peut-être pour le powerbomb. Attention, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, Naomi qui contre. Ouh. Arm drag de Naomi pour contrer. Et encore un Jawbreaker. Oh là 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 là. Elle en a fait des Jawbreakers, Naomi. Elle en a fait beaucoup, je trouve. Elle va l'envoyer encore dans le coin. Oh oh. Oh oh. Bulldog. Springboard. Bulldog. C'est peut-être fini. C'est peut-être fini. Ce match, it's over. Et un. Et deux. Et encore un dégagement. Encore un dégagement, mais c'est pas possible. On a eu un premier match assez court et ce match est en train d'être sur la durée, est en train d'être un énorme match alors que la Naomi vient de piétiner Aïssa Fox. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Oh, le coup de pied dans la tête. Le sol. Top kick. Ouh, drop kick dans la nuque. Naomi qui récupère, mais elle sait pas quoi faire. Elle sait plus quoi faire pour emporter ce match. Aïssa Fox. Oh, oh, magnifique contre, un au sol. Alors que Michael Jarvis Greenwaller dit stay down. Et ouais, alors du sol. Oh, le coup de pied. Et le Fox kick. Fox kick. Oh yeah. Elle tombait. Et un. Et deux. Et trois. Aïssa Fox qui remporte ce match juste énorme. C'était un énorme match. Il était juste épique. Un match putain d'épique. Ah ouais, regardez-moi ça. Ce pro bomb déjà au début de match. Aïssa Fox qui vient de remporter ce match, qui vient peut-être de s'assurer une place en tant que challenger numéro 1 si Tamina perd son match lors de Raw. Hein. Donc ça, faudra bien retenir. Parce que là, la division des divas, elle est juste exceptionnelle. Avec des matchs juste énormes, juste épiques. C'était moi là. Donc ça devait se terminer. Et là, Aïssa Fox s'est encore dégagé. Et là, on peut revoir ce magnifique Fox Kick qui a complètement découpé Naomi en deux. Et le tombé victorieux, le 2 et le 3. En tout cas, sur mon Fox, c'est bien très très même placé au top des challenges de Petit Diva. On se retrouve dans quelques instants pour notre deuxième match pour de qualification pour le World Heavyweight Championship lors de Hell Nation Chamber. Et voici notre troisième match de soirée, on commence tout de suite, enfin, on reprend tout de suite avec le premier participant de ce match. Is, venant d'une galaxie lointaine et galaxie mystérieuse, Stardust. Et voici son adversaire de soir, Is back, baby, Damien Isdo is dead. Please welcome, Damien Sandow is back. Il est de retour dans son ancienne gimmick. La gimmick que tout le monde adorait et que j'adorais. Et le match peut commencer entre les deux. Stardust ou Damien Sandow, le vainqueur de ce match. Si je me trompe pas, déjà Damien Sandow, c'est sûr que s'il gagne, il sera. Il sera. Ce sera sa première participation, mais je crois que Stardust, en tant que Cody Rhodes, il a participé. Je crois qu'il a participé au camp. Non, non, non. Je crois pas que Cody Rhodes n'ait participé à des Elimination Chamber. Donc je crois que c'est Ted DiBiase qui a participé, c'est pas Cody Rhodes. Donc ça sera pour les deux leur première participation. Dites-moi si je me trompe encore une fois. Vous êtes là pour me corriger si j'ai des petits trous de mémoire. Je ne suis pas quand même une bible dans le catch hein, quand même. Je connais des trucs mais pas tout quand même. Hein. Faut pas se foutre un peu de ma gueule là. Hein. Oh, voilà le coup de genou qui est bien passé. Oh, il l'amène au sol, Damien Sandow. Le match a l'air d'être plutôt correct entre les deux. Bon, ça vient de commencer, mais bon, quand même, c'est toujours bon. Attention, ouh, Stardust qui se rattrape. Stardust qui se rattrape, c'était peut-être la fin. Ouh, par contre, là, il vient de tomber. Suite à la droite de Damien Sandow, qui l'a fait complètement shooter. Il le relève l'extérieur du ring. L'extérieur du ring est très très dangereux.
Oh là là, il s'est pris le poteau. Il s'est pris le poteau. Le Axel Jones est très dangereux parce que c'est là. Même s'il y a quelques protections au niveau du sol, c'est pas aussi bien protégé. Oh le poteau, lui aussi s'est pris le poteau. Aussi bien protégé que dans le ring parce que dans le ring c'est quand même du bois. Mais il y a de la mousse par-dessus pour éviter un peu que les catcheurs se niquent les os, tu vois, suite aux chutes. Alors que sur du ring, c'est même peut-être un peu protégé, mais pas autant. Pas autant protégé que le ring. Son Stardust, l'Uverdility sort du ring. Oh là 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 là. Quand je disais que le ring est très dangereux, ils en profitent des petits escrocs. Ils en profitent des petits filous, hein. Ils en profitent. Ouf. Oh, il s'est pris. Oh, ils sont encore pris. La barrière d'insécurité. Oh là là. Stardust qu'on peut plus. Il continue à enchaîner. Encore une fois. Et Sendo qui arrive à contrer. Heureusement pour lui. Qui rentre dans le ring. Stardust qui va le rejoindre tranquillement. Et le coup de la corde à l'un. Oh là là, il a complètement shooté. Il l'a piétiné. Il va le sortir. Sendo qui arrive à s'en sortir lui aussi. Il le retourne. Il le retourne. Et. Ouh! Neckbreaker, reverse dignity, magnifique! Ouf! Coupé dans les côtes. Il va relever Stardust. Stardust qui contre. Ouf, le percut, magnifiquement bien porté. La droite! La droite! La droite! Et Stardust! Sur cette deuxième corde, Bulldog! Magnifique! Magnifiquement bien porté, le tombé. Le tombé peut-être fini. Et un. Et deux. Et non! Le dégagement réflexe. Le dégagement réflexe de Damien Sandow. Il a bien fait son petit dégagement. Oh, le coup de coude. Le coup de coude. Mais attention, Sandow qui est en cordes. Oh, attention. Esquive. Esquive. Et Power Slam! Magnifique Power Slam de la part de Stardust. Qui va enchaîner le coup de tombé. Et un. Et non, simplement hein, rien du tout. Juste un petit 1 de la part de Damien Sandow. Il le retourne. Oh, Russian Leg Sweep. C'est bien ça. C'est bien porté. Oh, Sandow. Sandow. Qui le relève. Il l'amène au sol. Il l'amène au sol. Oh. Petite prise, un peu d'affaiblissement, un peu tout ça, tu as vu. C'était magnifique. Cody, on entend quelque chose donc du Cody. Hein. On a un peu l'habitude hein, de ces chants-là. Magnifique. Ben, disaster kick, le tomber, le tomber. Et un, et deux, et non, simplement deux. Juste deux, juste deux. De la part de Cody. Enfin, dégagement de Sendo, quand même, faut le dire. Un beau dégagement. Oh, my fucking god. Il a goûté le sort de Cody Rhodes. Et il s'est su le pied. Il s'est su le pied sur la gueule de Cody Rhodes. Oh, le dropkick. Magnifique dropkick. Magnifique, magnifique. Oh, descend du coude. Oh, simplement le dégagement très très rapide de la part de Stardust juste à cette magnifique descente du coude de Damien Sandow. Damien Sandow, il est chaud. Ouf. Ouf, la droite. Oh, le coup de coude. Le coup de genou, excuse-moi, le dropkick. Magnifique, il m'a porté pour suivre. Pour bien suivre. Cody, he's here. Cody est chaud. Oh, il se place derrière Damien Sandow. Il se place derrière Damien Sandow. Ouh, Sandow qui contre. Ouh, le coup de pied derrière le genou. Attention, il le retourne. Russian Leg Sweep again. Encore un Russian Leg Sweep. On aime bien le Russian Leg Sweep hein, dans ce show. Dans ce show bleu. Le show de Friday Night SmackDown, l'un des plus grands shows of the time. Bon, après Raw, évidemment. Mais voilà quoi. Attention. Stardust qui contre Sandow de la même façon qu'il l'a contré. Stardust. Attention. Et encore un Russian Leg Sweep. Putain, mais c'est 40 coups pour coup. Hein. Coup de pied dans les côtes.
Il le retourne, le coup de pied dans le dos. Et il varie les coups, hein, Starr aussi, il varie les coups. Il va monter sur cette troisième corde. Il va devenir un peu, peut-être un peu plus chaud sur cette putain de troisième corde. Et le diving moonsault est tombé. Et un, et deux, et non, le dégagement. Le dégagement de Mia Sando, le dégagement réflexe. Bah, dis-moi qu'il fallait. On peut passer. Par contre, tu vas passer. Full Nelson Slam. Elle tombait. Tombait instantanée. Et un. Et non, simplement. Ouh, le dégagement réflexe. Le dégagement rapide. Le dégagement plus que rapide de Stardust. Ouh, loulouloulou. Ouh, Stardust, il est chaud là ce soir. Hein. Il est chaud dans ce match. Voilà, il le relève. C'était sûr. Ah. Oh. Oh, oh. Il va peut-être lui arracher le nez. Non, Stardust qui arrive à contrer. Coup de pied qui va passer. Ouf, oh là là, le coup de niveau du genou. Ça fait toujours mal ça. Mais encore un, hein, chaîne sweep, encore un, hein, putain, ils connaissent que ça. Ouh, coup de pied niveau des côtés, le coup de pied dans le dos. On fait beaucoup de coups de pied aussi, hein, entre les Russian X et les coups de pied, ils aiment bien. Ils aiment bien tous les coups. Il se passe encore derrière, il se passe encore derrière. Attention, c'est parti, crossroad, crossroad. Ouh, magnifique crossroad de la part de Stardust. Voilà. Elle tombait, le tombait, avec épuisement. Et un, et deux, et trois. Stardust remporte ce match, il donc se qualifie et va donc rejoindre pour Elimination Chamber dans le match Elimination Chamber, ben pour le titre poids lourd. Il va donc rejoindre Ryback, Mark Henry et Banus Barrett qui sont les 4 challengers. Et évidemment, il va rejoindre Edge, qui est le champion. Et donc, on aura notre dernier challenger la semaine prochaine dans le main event. On aura notre dernier match de qualification pour le World Heavyweight Championship à Elimination Chamber. Le dernier. Ça sera le dernier. On sera au complet et lors de Raw, nous allons aussi avoir le dernier match de qualification dans le main event pour désigner le dernier qualifié pour le titre de la WWE. Toujours pour Elimination Chamber, évidemment. On aura deux Elimination Chamber, les amis. Deux, c'est bien. C'est beaucoup, peut-être un peu trop. On verra. En tout cas, je viens d'apprendre que Renee Young va interviewer donc le champion intercontinental Christian dans quelques instants de Nantes. Va poser sûrement quelques questions en rapport au match qui sera donc juste après cette interview. Renee Young, c'est à vous. It's time. It's the main event of the evening. Et voici donc, on a pu voir l'interview de Christian, notre champion intercontinental, qui a dit que ouais, bon, les deux hommes qui vont s'affronter dans le main event sont vraiment deux hommes à fort potentiel, mais moi je serai champion, et je repartirai champion. En tout cas, veuillez accueillir The Powerhouse Roman Reigns. Et voici son adversaire du soir, le deuxième challenger pour titre intercontinental, pour représentant la Wyatt Family. L'homme qui désastre tout, Luke Harper. Et la cloche d'entrée dire le match peut enfin commencer. Ce main event peut enfin commencer en espérant avoir un main event de fou. Et ouh, on commence tout de suite avec un Spine Buster sur Roman Reigns. De toute façon, il le retourne. Oh là là, le coup de pied dans le dos esquivé par Roman Reigns. Ouh, quel coup de corde à linge. Le Fly Coastline de la part de Powers. Et on continue avec les droites sur la gueule de Luke Harper. Je rappelle que ces deux hommes ont une dent quand même entre eux, parce qu'ils ont fait partie, chacun des équipes qui se sont affrontées lors de David Revenge. Roman Reigns était dans l'équipe de Dolph Ziggler, qui a fait ben, que Dolph Ziggler remporte ce fameux 3 contre 3, accompagné de Sting. On rappelle, alors que ben, Luke Harper fait partie de la Wyatt Family, qui est donc l'équipe opposée, enfin, la famille si on veut, qui veut la mort de Dolph Ziggler un peu. Et la logique, le tomber rapide, très très vite dans le match, ouais, bon, rien du tout, évidemment, il ne faut pas s'attendre à une victoire tout de suite, hein, parce que c'est quand même Roman Reigns, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas comme ça que tu vas battre Roman Reigns, hein, mon pote, moi je te le dis, hein, clairement. Attention, Roman Reigns, qui, oh là là, il fait balancer, oh là là, quel coup de la corde à linge, magnifique, Solo Carper, Reigns qui sort du ring, Reigns, attention, il attend, et il court, oh non, Spinebuster. Extérieur du ring cette fois, oh celui-là doit faire un peu plus mal que tout à l'heure. À pleine vitesse, Reigns était à pleine vitesse. Oh là là. Et ça continue extérieur du ring.
Ça va continuer à l'extérieur du ring. L'enfourchement. Et on est plus sur on est plus sur la protection là. On va arriver on va arriver vers l'acier là. Et oh, on est vers la rampe. Là, c'est de l'acier les gars. C'est plus pareil. Ça fait encore plus mal ça. Oh. Oh là là. Oh là 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 là, ce qui s'est pris Reigns. On est à 7 et Luke Harper qui redescend. Luke Harper qui redescend. Regardez-moi ces deux hommes. C'est des bêtes. C'est de la. Oh le coup d'accro dans l'un. C'est des bêtes. Ces deux hommes, ça se voit qu'ils se détestent. Ces deux-là se détestent à mort. Ça se voit. Regardez-les. Ils continuent à se fighter sans se battre les couilles. Oh là là, il s'est pris la barrière. Et. Backbreaker. Oh là 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 là. Ça continue. Ils vont pas s'arrêter comme ça. Ah, il va ramener une carte dans le ring. Reigns qui veut peut-être gagner réglo. Là, sur ce tablier et entre le ring. Voilà, l'arbitre va pouvoir maintenant arrêter son compte. Ouf. Attention, Reigns qui envoie le carte dans les cordes. Et le coup d'accordéon. Oh là 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 là. Vous avez vu comment il lui a arraché la tête. Oh là là, Reigns qui est en domination pour l'instant dans ce match. La droite, nouveau. Oh oh, il l'amène. Ah, clé de tête. Petite clé. Ah, il est en train d'affaiblir Reigns. C'est pas bon pour Roman. C'est pas bon pour lui. Petite clé d'affaiblissement, c'est peut-être une préparation pour une prochaine soumission à voir dans le match. Luke Harper qui domine hein, pour l'instant. Reigns. Oh, regardez-moi cette machine. Cette machine de la destruction. Ouh, le coup de coude. Et encore un coup de coude. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce qui. Oh là là, Luke Harper qui compte. Luke Harper qui compte. Reigns qui compte. Qui envoie. Harper sur le tablier. Mais Reigns. Reigns va en finir dans le ring. Il ramène sur le ring. Allez, et en préparation pour le Superman Punch. Il attend que Luke Harper se relève, enfin surtout Superman Punch by Roman Reigns. Quel coup de poing. Quel coup de poing aussi mortel que le WMD de Big Show. Et un. Et deux. Et le dégagement. Le dégagement de Luke Harper. Le dégagement réflexe pour sauver sa misérable petite vie. Le mec, ça y est, commence à partir en coup du commentateur. Attention, Roman Reigns, la souplex. Oh, magnifique. Très bien porté de la belle Powerhouse. Voilà, tu vois. Mais comme ça, nous. Attention, Luke Harper qui est dans le coin. Reigns qui est un peu fatigué. Oh, la droite. Oh, la droite encore. Oh le coup de pied, le big boot pour contrer. Le big boot pour contrer, le coup de genou. Et le discus clothesline. Oh c'est peut-être fini. C'est peut-être fini sur ça. C'est peut-être déjà fini. Et un. Et non. Simplement. Simplement le dégagement de Roman Reigns. Super Reigns. Bon là c'est un finisher. Hein, bon. Oh le dégagement réflexe. De la part de Roman Reigns. Qui est très très vite ramené au sol par Luke Harper. Oh le coup de genou, enfin le coup de pied quoi. La droite, non, Reigns qui contre. Le retour peut-être de Roman Reigns. Le retour. Et en nouveau Luke Harper qui est envoyé à l'extérieur du ring. Reigns qui descend. Reigns qui descend. Qui se met en préparation pour sûrement foncer comme une bête en furie sur sa proie. Luke Harper qui se relève. Et le coup de la corde rouge. La bête vient de percuter sa cible. Relève Luke Harper. Ouf, il est envoyé dans le tablier. Enfin, dans la barre d'insécurité à nouveau. Oh oh. Oh oh. Oh, Luke Harper qui doit avoir mal. Luke Harper qui doit avoir mal. Qui s'est pris dans la gueule là par contre, c'était tellement méchant. La back suplex. Ouf. Il relève encore. Il veut le ramener dans le ring. Il va le ramener dans le ring. Il veut gagner réglo. Il veut gagner dans le ring. Ouf. Le coup dans les côtes. Le coup de pied carrément. Il a écrasé la main de Luke Harper. Carrément. C'est un fou. Droite encore la droite. Le percute peut passer. Non. Par contre, il se fait ramener au sol par Luke Harper. Il va une nouvelle fois encore l'affaiblir. Encore faiblir
Super Reigns, The Powerhouse. Attention, Reigns. Reigns qui a rencontré. Reigns qui contre à nouveau. Et coup de coude. Coup de coude. Et. Oh, Reigns qui contre. Oh oh. Back suplex. Look up. Back suplex time. Il va relever Roman Reigns. Il va le relever. Peut-être pour le finir. Il le retourne. Soulève. Oh, la prise. Magnifique prise de Luke Harper qui tente de tomber. C'est peut-être terminé. Et un. Et non, encore un. Encore simplement le dégagement nouveau de Roman Reigns. Oh là là. Oh, je sais pas ce que fait Reigns. Mais je sais pas ce qu'il a voulu faire. Oh, le double armlock suplex. Harper, lui, il est chaud. Luke Harper, lui, il est chaud pour en finir avec encore peut-être son discus clothesline. Le coup genou, il va repartir avec le discus clothesline. Oh, un petit instant replay de la part de la production. Oh, pff, oh là, il a complètement arraché la tête. Regardez-moi ce main event de taré. Et un, et deux, et non. Le dégagement. Le dégagement Super Reigns alors que Luke Harper dit qu'il y avait trois. Oh, le dégagement. Oh my fucking god, le coup de genou. Oh là là, le dégagement de Reigns. Oh. Oh mon dieu, je croyais qu'il y avait trois moi aussi. Oh, il vient de se dégager. Du dégagement qu'il fallait. Oh, il l'a envoyé dans le coin. Et Diamond Suplex. Suplex it, bitch. Voilà. Reigns dans le coin. Reigns, regardez-le dans le coin opposé. Luke Harper. Partir pour le spear, partir pour le spear. Il s'annonce. Et le spear. Roman Reigns. Oh, il l'a complètement découpé en deux. Il vient de le découper en deux. C'est un monstre. Putain, mais c'est des monstres sur ce ring. C'est des purs monstres. Et un. Et deux. Et trois. Reigns qui vient de battre Luke Harper dans un match de taré, dans un match de porc. Un main event à retenir, les gars. Avec un Reigns qui s'est dégagé de tout ce qu'a pu faire Luke Harper. Luke Harper a fait tout son possible pour emporter le match, mais Super Reigns était plus fort que lui. Il était plus fort que lui et il a suffi que d'un seul putain de spear pour découper Luke Harper et pour finir ce match. On peut revoir d'abord aussi bien sûr ce Superman Punch. Regardez-moi ça. Oh là là, il m'a donné une de ses droites. Et là, regardez-moi cette back suplex magnifique de la part de Luke Harper. Qui a cru que c'était fini? Franchement, il l'a cru parce qu'après. Il a enchaîné avec son fameux move, ou je peux appeler ça une sorte de facebuster, hein, ou face crusher, je ne sais pas. Après il s'est dit, c'est peut-être terminé, là c'est fini, j'ai trop défoncé. Et regardez-moi ça, dégagement simplement 1. Bon, on verra pas après le gros dégagement, mais là on peut revoir. Il l'a découpé. Hein. Ah, il l'a découpé, Luke Harper. En tout cas, j'espère à tous que vous avez kiffé ce Friday Night Smackdown. On se dit à la prochaine les amis, pour Raw. Pour notre avant-dernier Raw, nous sommes à 2 semaines de Elimination Chamber. En espérant que vous passerez une bonne soirée à tous. Et on se retrouve très très prochainement pour WWE Monday Night Raw. À la prochaine. You have to imagine Luke Harper isn't pleased with his performance here tonight. What's going to happen next week on SmackDown?